Et salut mes chers abonnés, j'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui pour un mercredi. Voilà, je pense que certains viennent de reprendre l'école. Je vous souhaite une bonne entrée directement en cours. Aujourd'hui, petite vidéo sympa. Quelque chose que je pense que je prévoyais de le faire, mais je savais pas quand. Alors aujourd'hui, bah là voilà la vidéo. Actuellement, je pense qu'on est mercredi. Le temps que vous voyez la vidéo, bah ça serait jeudi, vendredi. Voilà, vendredi soir, je pense qu'elle sera mise sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de la regarder actuellement et que vous êtes en train de dire ah, mais est-ce que je vais liker la vidéo? Eh ben oui, je vais liker. Et si je suis nouveau, je vais peut-être m'abonner. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, je me présente qui je suis. Voilà. Parce que je pense que tout le monde me connaît pas. Peut-être les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, mais attends, c'est qui lui? Ben vas-y, il faut que je fasse une vidéo. Il faut que je la regarde. Alors, ils vont me demander savoir qui je suis. Actuellement, j'ai fait une petite liste, une petite feuille qui est juste là, actuellement, magnifique. Feuille blanche. Et j'ai noté 1, 2, 3. Quand même, il y a 14 choses que vous savez pas sur moi et qu'à la fin je vais vous répondre en vidéo. Alors je vais commencer par la première, après par la 2, par la 3. En vrai, en même temps, là c'est un gribouillage qui est immense. Voilà, je vais peut-être mettre une photo sur ma page Instagram. Comme vous allez voir, ça va s'afficher juste là, peut-être, ou là, je sais pas où. Et à la fin, bah, vous aurez juste à me follow pour voir ces petites feuilles trabouillage, comment j'ai pu faire. Voilà. Alors, première question. Pour savoir, tout le monde me connaît au nom de Jordi Auvitry. Pourquoi Jordi Auvitry? Alors c'est tout simple, mon prénom, je pense que vous avez compris, c'est Jordi, voilà. J'ai pas voulu choisir le plus compliqué, je pense que je pourrais choisir plus simple, mais actuellement, il n'y a que ça en tête qui vient. Pourquoi Vitry? J'habitais à Vitry actuellement, j'ai déménagé, que j'habite dans Paris. Je vais pas vous donner mon adresse et tout. Oh, pour être sûr, oui, j'habite bien à Paris ou je le sais pas. C'est pour ça que j'ai fermé le rideau et de l'autre côté, vous voyez rien. Mon nom de famille, Ziani. Oui, je pense que certains vont créer des petits surnoms. Ziani, ça peut donner à Karim Ziani dans le jeu de footballeur marseillais. Non, c'est pas mon cousin. Ne pensez pas que les amis, demain, je vais aller le voir et tout. Quel âge j'ai? Bah, j'ai quand même 26 ans, ouais non c'est ça, c'est que je suis en train de réfléchir et c'est vrai, non j'ai 26 ans, je suis né le 31-12-1992, alors je pense que certains vont dire what, c'est une blague et tout, non c'est pas une blague, je suis né un jeudi, bah, jeudi 31-92, vous allez le voir directement bah, à cette année-là, je pense qu'iPhone on peut remonter le temps, et à la fin, bah, voilà. Alors vous savez que j'habite à Paris, que je m'appelle Jordi Ziani et que j'ai 26 ans et que je suis né un 31 décembre 1992. Voilà. Deuxième question. Mon repas préféré, je suis à... attendez, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, mon repas préféré, j'en ai 10. Mon repas préféré déjà, le numéro 1, c'est un peu débile, mais c'est tomate farcirée. Voilà, j'adore tomate farcirée. Actuellement, ma mère qui va regarder peut-être cette vidéo, je te fais un petit coucou. J'adore les tomates farcirées. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui se mange avec de la sauce. Et quand il y a du riz, bah, le riz j'adore avec du saumon, j'adore avec le poisson. Et le riz, bah, c'est un truc que j'apprécie. Aussi les pâtes. Voilà, alors je pense que c'est mon style de repas. Bah, mon style de plat que j'apprécie autant. Et voilà. Allons-en pour la troisième question. Je pense que je vais peut-être un petit 3 ou autre comme ça. Voilà. Ben, vous le verrez au montage. Numéro 3. Mes jeux préférés. Ah ouais, mes jeux préférés. Alors j'en ai des tas, des jeux. J'en ai des tas. Comme vous pouvez voir juste en bas, il y a des petits jeux qui traînent en bas. Voilà. Alors j'ai eu la PS3 déjà pour ça. Et à la fin, j'adore tous les jeux FPS. J'adore les jeux d'aventure. Mais je suis pas genre Tomb Raider et tout. Si vous me donnez Mafia 3 par exemple, ou Watch Dogs, même si je pense que c'est pas trop une aventure, ou Division, voilà, c'est des jeux que j'admire spécialement. Mais mes jeux préférés, c'est toujours Call of Duty. Même si on pense que dans le passé, les jeux Call of Duty, c'est devenu de la merde. Voilà, parce que on dit que ouais, c'est de la mauvaise qualité, les armes et tout. Pour moi, je me plains pas, sauf d'un seul truc, les campeurs. Voilà. Je pense que voilà, ça va être fin. Voilà, alors ma boisson préférée, j'en ai beaucoup, que ça peut être Red Bull, Coca, Monster, Orangina, ou rouge, je prends bien,
J'aime beaucoup de boissons gazeuses. Je bois de l'eau, vous inquiétez pas, mon corps était toujours habitué à boire ça. Et à la fin, bah voilà. Numéro 5, tu as... Attends. Tu as quoi comme console? Alors, comme console, vous êtes tous au courant, j'ai la PS4, attendez, voilà. J'ai la PS4, j'ai la Switch, et la Switch, en 2020, de cette année, peut-être, l'année prochaine, ou cette année avant, je serai sur PC. Sur PC, parce que mon grand frère, la Varix TV, je te fais un petit coucou, on partage des sous à deux pour m'offrir une tour. Et je pense qu'on jouera souvent au même jeu. Alors pensez bien que des fois, il y aura un lien pour sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir aller se follow. Pourquoi? Parce qu'il est bientôt à 1500 follow. Et s'il arrive à atteindre 1500 follow, c'est pas une blague, je lui offre 150 euros. Il a la preuve maintenant en vidéo. T'inquiète, elle sera sur ma chaîne YouTube. 5, 6. Tes fast-food préférés. Ah, ça mes fast-food, putain, j'ai que des bonnes bouffes. Hein. Entre Burger King, McDo, tacos, pizza et tout. J'adore tout. Voilà. Les seuls défauts, c'est que quand on parle de fast-food, certains ils peuvent dire ouais, c'est les restaurants à pâtes ou les trucs comme ça. Non, c'est pas pour moi. Les fast-food avec Subway, non, c'est des sandwichs. Pour moi, ça me kiffe pas, franchement. C'est pas demain où genre je vais manger tous les jours. Fast-food 7. Tu habites où? Bah voilà, je l'ai dit même avant, j'ai quand même oublié. J'habite à Paris. Voilà. Alors on va éviter de dire mon adresse comme d'habitude. C'est quoi ton taf? Mon taf? Alors, je travaille en service traiteur. Voilà. Service traiteur qui vaut beaucoup de temps, des heures. Voilà, c'est pas tous les jours, tous les soirs quand je rentre, je suis fatigué. Là, aujourd'hui, j'ai terminé assez bien plus tôt pour faire cette vidéo-là. Un peu bien, parce que sans, ça serait pas existé. Et à la fin, face au service traiteur, des fois, je travaille du soir ou des fois, le matin, je peux être chez moi. Je peux commencer à 10h ou commencer à 1h du matin, je peux finir à 3h du matin ou terminer à 15h d'après-midi. C'est un peu différent, mais voilà. Je vais pas vous expliquer pourquoi c'est des clients, voilà, ils nous commandent des points, surtout. Pourquoi Jordi au Vitry? Alors ça c'était voilà. Jordi au Vitry, Jordi pour mon prénom, au Vitry. C'est. Maintenant je sais plus pourquoi. Ah ben oui, voilà, maintenant je sais pourquoi. Jordi au Vitry, de ma chaîne YouTube, tout le monde, à un moment, vous avez vu plus ma voix comme Jordi94 FPS. Je voulais faire que une vidéo FPS, mais actuellement, j'ai dit que si je fais que du FPS, c'est-à-dire que je peux pas faire des vidéos comme ça. Je peux pas présenter des collecteurs, parce que actuellement, FPS, c'est-à-dire je tire à la vue, à la première vue de personne, même des jeux d'aventure. Et à fond, voilà, j'ai changé FPS face à Jordi94. Et de Jordi94, j'ai vu que c'était trop long, alors j'ai mis Jordi au Vitry. Mes films préférés, j'en ai des tas. Par exemple, pour mon film préféré que j'adore, alors il n'y en a pas qu'un parce qu'il y a deux styles de films, c'est les trucs de magie, en pensant à Harry Potter ou aux animaux fantastiques. Actuellement, vous voyez pas trop de décors chez moi parce que moi, je vois pas mettre trop de décors Harry Potter avec un gros poster et des baguettes magiques. Honnêtement, c'est pas un kiff pour moi, mais sûr, j'adore Retour du Futur. J'adore Fast and Furious, j'adore pas trop les films d'horreur, les films d'amour. Je peux apprécier, mais pas à 100%. Je suis devant ma femme, elle me dit « Oh chérie, viens, on va voir un film d'amour !» Bah désolé chérie, je suis à la play. Et voilà, vous avez compris. Je préfère mieux jouer à la play que regarder des films d'amour. À part si c'est peut-être une fois de temps en temps. Voilà, c'est cool. Tes applis préférées. Alors mes applications préférées, j'en ai des tas quand même, attendez. Je vais vous montrer des fois. Voilà. Alors mes applis préférées où je suis le plus actif, et je vais voir dans mes réglages, et je pense que sans aller voir dans les réglages, oui je suis à Python, c'est YouTube, Instagram, TikTok. Oui, TikTok pour marrer des fois quand je me fais chier. Voilà, je connais. Enfin, j'ai fait quelques vidéos, mais je pense pas faire le buzz dedans, je trouve quand même. Et enfin voilà, mes YouTube et Instagram sont mes deux applications où je l'utilise en permanence. Si demain mon téléphone ne marche plus. Comment je vais faire pour voir mes vidéos dans les transports? Voilà, c'est plusieurs trucs. Attendez. Ils disent pas, c'était pas en base. Enfin, voici mes applis préférées. Ton youtubeur préféré. Voilà, moi j'ai marqué comme ça.
ton youtubeur préféré. Mon youtubeur préféré, j'en ai des tas. Exactement, je vais vous dire mon premier youtubeur préféré. J'espère qu'il verra cette vidéo, je serai pas con. Et je pense qu'il va me reconnaître face à Instagram parce que actuellement je suis sur Instagram, c'est quelqu'un de style de vidéo qu'il prépare en permanence. Et je vais vous le dire, c'est Monsieur le Vidus. Pourquoi? Parce que déjà, toutes ces vidéos, face à tous ces vlogs qu'il nous propose, ça me fait rêver. Je vous le dis tout simple. Demain, j'ai envie de faire pareil que lui. Demain, si il va. Je sais qu'il ira cette année à la Paris Games Week, je le verrai. Je vais lui proposer trois questions, plus un petit cadeau, complètement, pour dire que ouais, je t'apprécie autant. Et tac, voilà. Alors, je pense que tu dois savoir ce que c'est, Karim. Voilà, et c'est pas les youtubeurs de maintenant qui vont me faire kiffer. Il y a des youtubeurs que j'ai aimé avant, actuellement ils font toujours les mêmes vidéos et qu'actuellement je vais pas citer leur nom. Mais voilà, alors Karim, oui, t'es mon youtubeur préféré, c'est pour ça que je porte la casquette Call of Duty. Et quand même en dehors j'ai la casquette, mon pull Call of Duty Black Ops 3. Et que cette année, je dois t'acheter un petit pull. T'as peut-être compris du message. Voilà, c'est quoi ton but sur YouTube? Mon but sur YouTube. Mon but sur YouTube, c'est une passion. Voilà. Si demain, je peux avoir les 500 abonnés, je veux pas qu'ils viennent fans, qu'ils me trouvent spécial, mais qu'ils aiment mon travail. Demain, si un de mes fans me dit, ouais, Jordi, j'ai besoin de toi pour faire une vidéo, en habitant qu'il habite pas loin, à Marseille, maximum, je serais prêt à me déplacer. Je veux dire, pourquoi tu veux me faire déplacer et de c'est quoi ton futur vidéo? Si demain un de mes abonnés vous contactez par Instagram, vous dites ouais, genre dis j'ai besoin de toi pour faire une vidéo, je suis là. Voilà, je vous ferai pas rien payer. Envoyez un budget aussi parce que si vous habitez en Normandie, il faudra que je vienne en train et qu'en pire après vous me cherchez. Voilà, c'est un truc qui se prépare spécialement pas. Mais si demain un de mes abonnés a besoin de moi, tu me contactes par Instagram qui s'affiche pas de moi là, et en pire, moi je te proposerai pour savoir quoi et tout. Pourquoi j'aime faire des vidéos? Voici la dernière question. Faire des vidéos, c'est une passion de complètement, pour dire que voilà, j'en fais aussi. Si demain ma chaîne YouTube ne marche pas, si demain j'atteins pas les 1 000 abonnés, honnêtement, je m'en fous. J'atteins pas les 1 000 abonnés, j'espère bien. Au moins, comme ça, au moins, je vais dire, il y a des gens qui aiment bien voir mon travail. Et notamment, cette vidéo-là vous permet aussi à savoir ce que je veux faire dans ma vie. YouTube, c'est une passion, voilà. Si demain, je veux travailler, déjà. Ne pensez pas que je suis un YouTuber qui veut faire juste des vidéos pour la thune. Demain, si j'ai des sous par YouTube, ces sous seront utilisés pour du matériel. Ou peut-être pourquoi pas à des concours aussi. Pourquoi? Parce que actuellement, comme vous voyez mon setup actuellement, j'ai un PC qui vaut 700 euros, une PS4 Pro qui vaut 500 euros en édition de Black Ops 3, des Call of Duty, la Switch. Bon, j'avoue, celle-là, je ne l'ai pas acheté. Mais tout ça, je l'ai acheté de mes propres sous. C'est-à-dire que mon travail m'aide à me payer du matos. Demain, si je vous l'avoue, que je voudrais me payer un appareil photo qui vaut entre 1000 et 1500 euros. Le seul défaut, c'est que actuellement, ma chaîne YouTube n'évolue pas. Voilà. J'ai les sous, parce que je cotise à 100%. Et de l'autre côté, quand je prépare des vidéos, j'en parle avec mes amis, est-ce que je vais être là ou pas. Et à la fin, j'ai toujours besoin d'être sûr. Et pour être sûr que je m'achète ce style de matos, bon, attendez, quelques jours derniers, j'ai acheté ce jouet. Ce jouet, ce petit Avar Media qui vaut maximum 200 euros. Vous imaginez pas comment c'est pas avec YouTube qui m'ont payé, hein, non, même pas, c'est avec mes sous. C'est à dire qu'avec mes sous j'ai acheté un truc à 200 euros, et c'est bien la preuve que YouTube ne me permet pas, même si je gagne 1 centime, si je dois prévoir un concours, ce sera avec mes sous. Et je veux que ma chaîne évolue. Voilà. Je pense que tous les youtubeurs veulent se faire connaître, certains pour dire ouais, je suis un gros youtubeur et tout. Mais de l'autre côté, si vous ne proposez pas d'autres vidéos que du gaming, honnêtement, c'est un perte de temps. Actuellement, le gaming, c'est un peu mort. C'est pour ça que Monsieur le V12, peut-être Skyrose, lui, continue aussi. Gotaga. Mais voilà, ils font pas des vidéos tous les jours. Certains, 24 heures sur 24, ils sont dans leur queue à faire des vidéos. On sait pourquoi en même temps. Oui, ça s'affiche bien ici. Voilà. Et actuellement,
moi, c'est pour moi un kiff, voilà, faire des vidéos avec mes potes. Si on doit faire des conneries, on fera des conneries. On se sent pas prendre aussi. Et voilà. Alors, les amis, là, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi pour un long moment. Actuellement, la prochaine étape, acheter un meilleur appareil photo entre 1000 et 1500. Et pour ce budget, je demande d'atteindre les 500 abonnés. Oui, les 500 abonnés. Pourquoi? Parce que c'est pas donné. Voilà. Si demain j'achète et que vous voyez que ça évolue pas, je pense que vous irez pas plus loin que ça. Vous avez déjà du bon, j'ai quand même du bon matériel. Et à la fin, on va voir dans l'avenir si ça va bien marcher. Si les gens m'acceptent comme un bon youtubeur, un bon ami et tout, je peux être avec vous. Si demain vous avez besoin de moi pour faire une vidéo, je serai là avec vous. Et voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci de m'avoir suivi pendant cette vidéo. Voilà, je sais pas combien de temps va durer. Et moi, je vous fais des bisous à tous. Tous les potes. Pardon. Oh oui, bisous les potos.